Salut et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis avec... Salut. Non mais là, faut que tu dises ton prénom. Salut. Je suis fatigué, il est très tôt et on va aller littéralement chercher de l'or. Sam, tu nous as rejoint et aujourd'hui on va aller chercher de l'or, c'est ça? Voilà, tout à fait. On va aller donc gratter du fond de rivière, chercher de la paillette, être les pieds dans l'eau toute la journée pour trouver un maximum de pépites. Voilà. On va dans une ville qui s'appelle Gland. Hey, il y a la voiture. Hey, vous êtes là les amis, c'est fantastique. C'est bien. Ouais, je vous attendais. Arrêtez là, en fait. Hey, salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bien. Là, on peut voir déjà du matériel. Et le reste qu'il faudra porter aussi. Ok, donc c'est qui va porter? C'est Sam? Ouais, bien sûr. Ou Fabien? Non, mais moi, j'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va chercher de l'or alors. 40, on va essayer de chercher des paillettes d'or. On va trouver. On va trouver carrément. C'est pas, on va chercher, on va trouver. Pour chercher de l'or, en résumé, on creuse ici là dans la terre, on met dans un seau et ensuite on y balance sur le plateau. Rampe de lavage. Rampe de lavage. Et ensuite les pépites, comme elles sont 10 fois plus lourdes que l'eau, c'est ça? Ouais. Elles vont rester sur le petit tapis. Donc pour l'instant, on a creusé. Là, on met dans le seau, on verse et on essaye de séparer l'or avec tous les autres résidus du fer de la terre. Comment ça se fait qu'il y a de l'or dans cette rivière? Ben, c'est en regardant sur internet, les cartes orifères, etc. Il y a dans l'Aubonne, l'Orbe. L'or vient des volcans? Vient des volcans et créé en fait sous terre. Et puis il est remonté avec les volcans. Et quand il descend de la rivière, au début, tu as des grosses pépites. Au fur et à mesure qu'elle descend la rivière, l'or se concasse et crée des petites paillettes. Toujours dans un virage. Pourquoi? Parce qu'il est lourd. Et c'est un gros flemmard. Il se déplace uniquement pendant les crues et il va se déposer à la sortie du virage, là où le courant ralentit. Par ici? À l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'ici tu creuses à l'intérieur là. Exact. Aujourd'hui nous allons apprendre à chercher de l'or. Je suis pas très efficace en fait. Avec ton physique de grenouille là, ça fait le temps. Hein. Oh, comme une putain, j'ai de la bonne. Mais tu fais quoi là-bas? Faut creuser ici. Ah non non, il a raison. Ouais Fabien, c'est vachement bien, je creuse au fond. C'est un peu bizarre. Je dire, je sais pas ce que ça dit, mais... Si jamais, je vais mettre tous ces plans dans la vidéo. Non, c'est... Parce que... C'est la Suze Box. Alors c'est la Suze Box. C'est la Suze. C'est parce que ça... Un coup de Suze, ouais. Tu vois, ça suit bien les gars, les blagues, mais génial. On va leur faire contre courant, doucement, t'as pas besoin d'appuyer. En moins d'une heure, on en a déjà trouvé... je sais pas combien. Mais il y en a déjà une là. Une autre ici. Ah, je suis surpris quand même, hein. Je pensais pas qu'on allait en trouver autant. Enfin, autant. Enfin, si. Attends, t'as pas encore regardé tout là. Voilà. Ah. Putain, il y en a une belle là. Ouais, ça c'est la mienne. La vache. Elle est grosse, hein. Ah, elle... oh, voilà, la coquine. Ok, j'ai... Ok. Parfois, tu vois? Ouais, j'ai vu le... Voilà. C'est pas mal. Et puis là, ensuite, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. Bien. Ouais, t'as encore un peu trop de sable noir. Ah, mais attends, j'ai deux belles. Moi j'en vois même trois. Tu vois? Quatre. Il y en a une en haut là. Et puis celle-ci là. Ouais. Ça donne quoi? Bah j'arrive au bout et ça donne bien. C'est plutôt pas mal. C'est quoi que tu me montres là? C'est des paillettes d'or. 6, ouais, 7, 8, fois, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je disais 20, alors. Ouais, moi je trouve que chercher l'or c'est cool. Ouais. Non mais je suis sérieux en plus de ça. En plus de ça, on a fait pendant 30 minutes
Et on a eu une vingtaine de... Ça va faire 2 heures qu'on est là. Ouais, bon, ok. Je dirais qu'on a bien bossé. Je dirais que... Non, mais t'as tout de suite des résultats, je veux dire. Moi, je pensais pas que c'était... Il va y avoir une pause. Bon, au bout du troisième jour, c'est quand même un petit peu... Voilà, fin de journée. On a passé plusieurs heures à l'intérieur de cette petite rivière, les pieds dans l'eau, pour récolter quelques poussières de paillettes d'or. C'était une première pour moi. J'avais jamais fait ça. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses ou que ça vous a intéressé, cette petite aventure. Moi, je vais vous laisser. Je vais y retourner pour peut-être trouver une grosse pépite ou un lingot énorme. On sait pas, hein. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.